vendredi 31 mai 2024, c'est dernier jour dans le mois de mai et c'est dernier jour tout dans la semaine là côté nous présentons le programme ça. Cap sorti dans la capitale fédérale américaine dans Washington DC, moi c'est Jean-Aubert Philippe. Dans le groupe Cap Domine Actualité, ancien président Donald Trump réagit après un jury joint les coupables pour 34 chefs d'accusation dans le premier procès criminel qui déroulé dans Manhattan, dans New York. L'armée israélienne tire en pile coup de mortier sur Gaza dans le moment soldat avancé dans le centre ville Rafah qui est dans le sud territoire. Et puis, autorité haïtienne demande aux populations protéger tête pendant la saison cyclone qui a commencé samedi 1er juin 2024. Là. Voilà, c'est quelques points à développer dans le journal aujourd'hui. On a commencé d'abord dans New York. Côté, nous rappelons que un jury joint l'ancien président Donald Trump coupable de 34 chefs d'accusation pour un crime qu'il a commis, comme quoi qu'il a falsifié documents pour cacher un agent a payé un avocat qui pour cacher, comme s'il a acheté silence une dame qui est Stormy Daniel qui semblait être en affaire avec elle et avant l'élection 2016. Yo. Donc, en réaction, ancien président, il a réagi après verdict là, Valérie Saint-Louis, comment ça y est? Toujours après que 11 membres jurés, à l'unanimité, ont été verdict côté que rejoint Donald Trump, coupable de tous les 34 accusations criminelles, après un jugement historique qui durait plus passé 8 mois, devant tribunal pénal dans la Cour Manhattan, New York, ancien président a choisi bail une conférence pour la presse dans le building Trump Tower qui est devant plusieurs caméras médias locales et internationales qui étaient positionnées en dedans coup de yo building là. Dans le remarque, Trump a attaqué président Joe Biden sous politique immigration li, à politique fiscale sous affaire payer taxes avant que le te parler sous cas lui-même. En gros, il était dit que procédé jugement était injuste. Entendez you extrait dans salte di mater. If they can do this to me, they can do this to anyone. Si vous avez fait ça pour moi, vous avez fait n'importe quoi ça. Mais le juge là te permet de entrer dans toute bagaille que moi n'étais jamais impliqué là-dedans. Le jugement lui-même était très injuste. Nous n'avons pas le droit de servir à l'expert élection noire dans aucune circonstance. Nous avons fait ça qui est arrivé dans quelques témoins par nous. Côté que vous avez littéralement crucifié. C'était un jugement truqué. Nous avons changé location côté jugement que fait là pour nous être capable de gagner un jugement juste. Nous n'avons pas de joindre lui. Nous avons changé le juge là pour un juge qui n'a pas de aucun conflit, évidemment, il n'y a pas de fait ça. Pas de personne qui jamais moins un bagage comme ça. Pendant la conférence sur la presse ce matin, nous avons un petit garçon, Eric Trump, avec belle fille, Lara Trump, qui était venu camper ensemble avec lui. Mais nous pas très madame ni Melania Trump, qui fait silence lui-même depuis que verdict la tébaille. De la boutique Trump Tower sur Fifth Avenue dans Manhattan, plusieurs supporters Trump étaient rassemblés à drapeau, pancarte, képi dans tête, pendant que sous l'autre bolaria, il y a quelques gens qui ont même été contre Donald Trump. Ils t'ont montré pancarte par eux avec photo de Donald Trump qui était venu en prison, qui était écrit coupable. La justice importante parmi plusieurs autres pancartes à affiche. La police New York était sous pied, barricade tout partout et puis hélicoptère qui t'a viré sous tête building Trump Tower. Nous apprenons que matin, la campagne Donald Trump annonçait que l'Itégetan ramassait 34,8 millions de dollars comme donation que supporter te bail après que le verdict a été sorti. C'est plus passé l'argent que la campagne politique Trump a été rassemblée pendant deux mois janvier à février. La question que la majorité de monde a posé tête, c'est est-ce que l'ancien président pral en prison? Dans l'histoire des États-Unis, pas jamais gagné un ancien président ou soit candidat à la présidence qui jamais fait face à une condamnation criminelle ou soit fait face à la possibilité pour faire tant en prison. Et Trump, depuis longtemps, marché 10 sans preuve que 4 accusations que la justice a contre lui, c'est complot que le président démocrate Joe Biden a fait contre lui pour essayer d'empêcher de reprendre Maison Blanche. Là. Dans deux mois, Kevin Layo, il a supposé faire le premier débat à Joe Biden. Il a bien pour accepter formellement la nomination Patia dans la Convention nationale républicaine qui a fait dans l'État Milwaukee. Et Trump va l'obliger de retourner dans le tribunal là, le 11 juillet prochain pour le prendre sentence. Il a fait face à une sanction pour prendre une amende ou soit il a en probation. Et peut-être il a pris jusqu'à 4 années dans prison. Dans ce moment-là, nous campons devant le building Trump Tower qui est dans là, mais matin, il n'y a pas de moyens pour circuler sur le trottoir. Et bon côté de là, nous jouons des fanatiques de Donald Trump qui a PC et lancé des slogans pour passer dans le micro VOA Creole pendant que je fais reportage ça. Pour VOA Creole, Valérie Saint-Louis, depuis Manhattan, New York. Merci Valérie Saint-Louis. Et en réaction, il y a un président Joe Biden, lui-même qui dépend la parole jeudi à la Maison Blanche, et lui-même était critiqué et réaction président Trump sous procès ou bien sous verdict et jury au point contre ancien président. Nous parlons de Sandra Lemaire pour plus de détails.
Président Joe Biden critiquait Donald Trump que l'il décrit tant qu'au irresponsable et téméraire. Biden t'a répondu une déclaration ancien président républicain t'a prononcé matin hein, dans Trump Tower dans New York côté il était plein pour dire procès criminel là t'est truqué. Biden t'est parlé dans la Maison Blanche. The American principle that no one is above the law was reaffirmed. Nous réaffirmons le principe américain qui dit personne n'est pas pire au passé, loi PIA. Donald Trump a gagné toute opportunité pour défendre le procès à New York, avec le procès fédéral. Et un jury, 12 citoyens, t'écoutent. 12 Américains, 12 mouns qui t'en courent. Même gens à plusieurs millions d'Américains qui servent comme membre jury, ils ont choisi jury ça, même gens à tout l'autre jury aux États-Unis. Pendant le procès, qui a gagné participation avocat Donald Trump, que jury a étendu preuve pendant 5 semaines et après délibération accomplie de précaution, ils ont joint un consensus sur décision. Ils ont joint Donald Trump coupable de 34 chefs accusations. Kounia, Jean Sadoué fait, l'a bien opportunité d'aller en appel contre décision. C'est comme ça le système judiciaire les États-Unis fonctionnait. Et les téméraires, dangereux et irresponsables pour les gens qui t'ont dit que ça a été truqué, tout simplement parce que ils n'ont pas aimé le résultat. Plusieurs politiciens publient un message sur réseau X, ancien Twitter, pour soit appuyer Trump ou bien battre bravo pour décision jury. Dans New York, Sheila Quinn dit Reuters l'est satisfait. I'm very happy because I don't feel anyone's above the law. Je suis content en pile parce que je crois qu'aucun monde n'a pas pu passer pour le pays. Et je crois que le monde a joué un gros rôle dans la démantibulé démocratie. Donc, je suis content avec la décision. Dans Miami, Maria Gonzalez, une infirmière retraitée, te prend la rue pour exprimer support pour l'ancien président. Je suis venu à Trump. Je l'ai appuyé depuis qu'il se postulé la première fois pour la présidence. Il dit moi là pour appuyer Trump. Moi, j'ai appuyé depuis qu'il était postulé pour la présidence la première fois et je vais continuer à appuyer parce qu'il a changé le pays. Il a amélioré. Il y a une inflation bien haut, en pile corruption. Et puis, nous avons un touriste c'est mon et puis témoignage m'entendez bonne impression Julia t'a prêté en pile attention donc on peut nous louer respecter décision yo m'attend pour sentence y a bail monsieur. Juge Juan Merchan, qui était présidé pour cette Trump-là, fixé sentence-là pour 11 juillet, qui c'est quelques jours seulement avant parti républicain en supposé nommer Trump comme candidat à la présidence pour élection présidentielle 5 novembre. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Nous parlons dans le Moyen-Orient, côté président Joe Biden, présentant un plan que lui croit capable de résoudre le conflit israélo-hamas. Le président a parlé comme ça dans la Maison-Blanche jeudi vendredi. Il set the stage for a political settlement that provides a better future for Israelis and Palestinians alike. Now, after intensive diplomacy, président Joe Biden, qui t'a parlé vendredi 21 mai dans la Maison Blanche, déclaré qu'il est pour une nouvelle étape commencée. Il est pour otage retourner la caillou. Pour Israël, était un pays côté de sécurité. Il est pour souffrance infinie. Il est pour guerre finie. L'idée américaine a demandé militants à Massio pour d'accord avec un nouveau cessez-le-feu Israël offrit pour libérer otage en échange pour un cessez-le-feu dans le territoire Gaza. D'après le président, c'est la meilleure façon pour diminuer le conflit mortel ça. Proposition préparer terrain pour une entente politique qui offre un avenir meilleur pour Israéliens ensemble avec Palestiniens. Une proposition pour libérer otages dans le commencement année et qui demande libération otages qui malades, vieillards, avec des séjours dans le territoire Gaza, en échange pour un cessez-le-feu 6 semaines et qui est capable de prolonger pour permettre plus d'assistance humanitaire dans le territoire Gaza. Eh bien, proposition ça a été écrasée en milliers de morceaux dans le commencement mois mai.
Après, Israël a refusé d'accord pour mettre fin à la guerre et puis augmenter l'attaque dans la ville Rafah qui est dans le sud-territoire Gaza. Hier jeudi, un militant Hamasio a déclaré par les médias qu'il n'a pas participé à aucune négociation encore, tout autant Israël a continué l'opération militaire dans le territoire. Mais il paraît pour un accord complet, y compris un échange d'otages et prisonniers, si Israël suspend la guerre. Un officiel américain qui t'a parlé à condition non l'hypacité, déclaré conseiller de sécurité nationale à la Maison Blanche, Jack Sullivan, rencontré jeudi vendredi hier avec diplomate 17 pays que Hamas kembe citoyen en otage dans le territoire Gaza. Dans notre programme de l'actualité, on a toujours été dans le Moyen-Orient. Nous parlons de qui actualité qui sera passée exactement. Les soldats israéliens continuent à attaquer ville Rafah, donc ils ont mené une opération qui est sous frontière Mexique-là. Pendant qu'ils ont entré dans le centre Rafah, nous parlons de Jacques Bélizère qui a plus de détails pour nous sur cette question-là. Président Joe Biden, qui quitte la base militaire Dover dans Delaware à bord Air Force One pour retourner à Washington, menacé pour le reconsidérer assistance États-Unis pour Israël si aucune action liée continue à prendre l'autre dimension dans Rafah. Pendant ce temps, l'armée Israël a continué à mener opération éphraïque dans Rafah, malgré toute voix qui levait à travers le monde pour condamner l'offensive Sayo qui continue à faire sang couler dans la population civile. Là. Témoin dit ouais gros la fumée qui montait dans sud Rafah à gros chats israéliens qui entraient dans la région dans guerre ça qu'il a depuis 8 mois. Gain environ 1 million monde qui courent quitter Rafah. Israël pas campé malgré indignation qui fait au niveau international à cause offensive malouk qui arrivait dimanche qui s'est passé là. Jeudi vendredi a David Messel qui c'est porte-parole gouvernement état hébreu a présenté un bilan opération Rafah qui là depuis 6-7 mai côté d'après lui plusieurs centaines militants palestiniens dans Rafah déjà péri. We have already eliminated around 300 terrorists. Nous éliminé environ 300 terroristes dans Rafah pendant opération ça. Gain qui était caché en bataille, mais soldats nous dans un combat à courage, dans un garçon pas campé dans conditions difficiles, eh ben nous mettez mes yo même si nous même tout nous perd du monde. L'armée Israël a dit commando lieu joindre lance-roquette Hamas, yo découvrir tunnel et yo joindre Zamto. Pendant ce temps, assistance humanitaire dans Gaza a été un gros caisse sauté pour Nations Unies et la communauté internationale. Et ça qui pire de là, même assistance qui joue une autorisation, pas arrivé à joindre civil d'après Jens Lecker, qui est porte-parole agence humanitaire Nations Unies en parlant de OCHA. Aid that is getting in is not... Assistance humanitaire, ça pas réussi à joindre une population civile là, et ça, c'est un gros problème. Si vous voulez, nous besoin plus d'assistance. C'est pour toute partie respecter obligations légales, l'état plongé doit être sous Israël qui pas toujours respecté principe droit international dans question ça que l'état répond journaliste là. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken reconnaît jeudi vendredi la situation humanitaire Gaza catastrophique et Israël pas gardé derrière malgré effort États-Unis a fourni pour plus assistance à joindre Gaza. Parallèlement, gagner levé campé qui continue à fête au niveau international dans pays en Europe et même dans Amérique latine et dans mitan gros artistes internationaux pour mander une fin dans guerre dans Gaza. Ici Jacques Belizère, VOA Creole. Actualité dans le pays d'Haïti, c'est le Premier ministre Garry Conille qui vient pour rentrer en Haïti pendant le week-end ça même. Eh bien, dans la première déclaration qu'il fait, il dit qu'il travaille avec le parti qui est représentant dans le conseil et présidentiel et conseil présidentiel transition hein, pour le capable former un gouvernement qui a bien représentant tout le monde, qui a bien participation tout secteur là-dedans. Premier ministre là qui dit lui-même lui ouvert, il demande et concours bien support tout le monde pour aider réussir et gouvernement ça que pas mettre sous pied, il dit la respecter sa constitution dit à tout cap gain 30% femmes dans la dedans. Pendant ce temps, ça va lui dit que population pas gain réaction tout sous et nomination ça ou bien sous présence et Garry Conille dans tête nouveau gouvernement. Entendez ça et il était pour dire. Moi
Moi, je crois que Gary Conley a une responsabilité envers la nation. Parce qu'il doit servir un CP qui n'est pas élu par le peuple, qui a été posé par la communauté internationale. Il a souhaité que ça au délivre de la chaîne, mais on fait expérience à ça déjà. Au moins, on a nous l'autre monde pour faire expérience avec. Il a gardé qui ça a fait. L'équipe est connue. Qui joue à Kinoé, qui joue à Capitaine sur le terrain. On a assez bataille pour bataille pour délivrer parce que ce sont des qui font expérience, vous pensez. Qui font expérience, international, tout. Plus, nous te pouvons minimiser déjà, même les paquets de fonds de temps. Depuis au bon moment, pour changer Haïti, pour changer, dans ce monde, je vais vivre. Et vivement, vivre, je vais vivre. Et toute journée, écoute balle. Nous, pour la première fois, l'apparition CPA a fait un choix qui est en faveur du peuple. Docteur Gary Conley, tout le monde connaît, c'est un citoyen qui est honnête, qui bat tout lui-même pour le cas combattre la corruption dans le pays. Jean Tefel, sous gouvernement Michel Matelia. Conley a du pain sur la planche. Moi, je ne sais pas ce qu'il va faire. Et tout ce que je sais, c'est que les politiciens ont une tendance à s'enrichir et presque chaque jour. Donc ça, c'était réaction quelques citoyens haïtiens qui t'a réagi sur choix et Gary Conley, docteur Gary Conley, qui comme premier ministre est capable pour lui former un gouvernement ensemble avec parti qui concerne les parti qui gagne représentant dans le conseil présidentiel transition et donc cap gagne pour fête dans semaine cap venir là. Nous parlons toujours n'apprêter dans l'actualité dans le pays d'Haïti côté ancien président Justin Privert mandé communauté internationale à agir vite dans cadre d'effort pour déployer mission multinationale soutien sécurité en Haïti. Renan Toussaint pour plus de détails. Ancien président Joslem Privert dit c'est un impératif puisque force sécurité nationale a besoin en urgence support mission multinationale soutien à sécurité en Haïti pour capable rétablir la paix et stabilité dans le pays. Il est évident les forces nationales de sécurité, à elles seules, n'ont qu'à résoudre le problème de sécurité. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais raté une occasion pour me dire, dans telle situation, l'appui d'une assistance, mais une assistance internationale, pour aider les forces nationales de sécurité à rétablir cette sécurité indispensable à la relance des activités dans le pays est plus qu'indispensable. Malgré mission multinationale soutien à sécurité qui était prévue pour fin mois mai, reportée pour mois juin 2024, ancien président Privert était très optimiste que force a débarqué quand même en Haïti. Au moins, c'est des difficultés. Au moins, c'est des impondérables que toute action humaine est pour faire face avec eux. Mais ça n'enlève pas l'urgence de l'arrivée de cette force pour répondre à ça nous dit d'aller à là. Moi, je comprends ni en tant qu'action humaine. Toute initiative n'a pas, il y a des moments qu'on a accéléré, il y a des moments qu'on a ralenti, il y a des décisions qu'on a été capable dans les 24 heures, ou pas obligé de différer de 72 heures. Je ne vois aucune raison pour nous faire un plat que du 23 mai où il était dit que la force allait être déployée et que c'est reporté pour le mois. Bien pour moi, ça fait partie de toute initiative humaine. Pendant ce temps, la police haïtienne a annoncé qu'elle travaille sérieusement pour capable rétablir l'ordre et sécurité sur toute étendue territoire national. Renan Toussaint, pour VOA Créole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. Et puis demain samedi 1er juin, c'est saison cyclone l'a commencé. Est-ce que Haïti paraît en arrosa avec Yves Manuel? À la veille ouverture officielle saison cyclonique là, Conseil présidentiel transition a inauguré une nouvelle salle qui a bien pour gérer crise dans direction protection civile dans commune Tabar. Diverses personnalités participaient dans la cérémonie lancement, parmi eux représentant direction protection civile, commandant en chef force l'armée d'Haïti et police nationale d'Haïtien, sans compter partenaires internationaux et divers acteurs qui impliqués dans gestion risque et catastrophe en dans pays.
Dans discours circonstance li, président conseil présidentiel là, Edgar Leblanc fils, qui était accompagné de conseiller Leslie Voltaire et Frinel Joseph, souligné responsabilité exécutif là dans protéger et puis assister population qui vivent dans zone à risque. Le conseil présidentiel de transition est conscient de la menace à laquelle nous allons devoir faire face ensemble pour protéger et venir en aide aux compatriotes vivant dans un environnement très fragile et en proie à d'énormes difficultés. Avec le secrétariat permanent de gestion des risques de désastre, la Direction générale de la protection civile, nous sommes mobilisés. Nous allons rester en alerte durant toute la saison. Tout sera mis en œuvre en vue de répondre aux situations les plus urgentes pour protéger et assister la population durant cette difficile période. Président également exhorté population dans quatre coins dans pays pour être vigilant et suivre consignes autorités pendant toute saison cyclonique. Haïti dans quatre coins pays, femmes ou garçons, saison cyclone 2004 là capable malouk en pile d'après scientifiques dans domaine sayo, d'après ça scientifiques dans domaine sayo fait connait. Face à danger qui menace pays, qui menace bien nous avec la vie nous, nous devons prendre en pile précaution. Porter en pile vigilance et puis préparer nous. Mobilisation ça inscrit dans 4G fort qui visait renforcer résilience communauté yo et améliorer capacité yo pour répondre à catastrophe naturelle là dans pays d'Haïti. Samedi 1er juin a marqué début officiel saison cyclonique là jusqu'à 30 novembre. Saison annoncée très active parmi phénomènes yo spécialistes annoncé 12 ouragans parmi yo 5 majeurs. Moi c'est Yves Manuel. Depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. En nous suivant un petit conseil, et là, nous allons parler de l'élection au Mexique. Voilà, c'est dimanche qui a venu là, par une élection générale au Mexique, côté Gampile, Gampile candidat, mais en principe, il y a trois candidats qui sont en course là, et parmi eux, il y a deux filles. Et si ça t'a fait, disons que et sondage prévoit tendance électorale là c'est pour la première fois que une fille pour diriger au Mexique si électeur t'a choisi une dans deux mesdames yo Gentil Augustin Junior. Course pour poste président dans élection présidentielle Mexique de juin 2024 cap vini là totalement dominé par des femmes mais ça pas empêché que Jorge Álvarez Maynez candidat centriste seul garçon qui nan course là ferme campagne li pour élection présidentielle de juin acti crash chance pour le gagner li fini campagne li a ak yon festival musique nan yon auditorium nan Mexico. Jamais pap gen yon jeune garçon encore nan prison pour fumer boz. Jamais pap gen yon femme encore qui pral nan prison parce qu'elle décide de faire ça livlé à propre col. D'après Maria Ose, étudiant droit dans Mexico, approche Maynez là très différent de l'autre candidat yo. Maynez gagne un nouveau approche pour gouvernement mexicain. Moi vle di toute parti politique yo toujours même mouvement citoyen, parti Álvarez Maynez là gagne nouveau l'idée, si porter un pile jeune que l'autre parti yo pas fait. Électeurs mexicains yo bloqué nan yon débat chauffé sou si oui ou non yo embrasser changement politique au soir kembe trajectoire actuelle là avant élection présidentielle historique qui gen pou déroulé dimanche 2 juin 2024 là. Moi pas attendre rien, pas gen rien nouveau. Moi pas wè aucun monde qui vraiment gen yon proposition solide. C'est toujours même politicien yo ak salè exagéré yo. Donc la vérité, c'est que personnellement, moi pas attendre rien dans mes gouvernements. Aranza Santisteban, 19 l'année, yon étudiant dans université te dit. Por lo menos a mí me ha tocado muchas veces que moi souvent tant de moun di pas ta dwe gen yon président femme parce que femme yo très émotionnel et c'est peut-être ça yo pas prend bon décision. C'est peut-être ça yo pas dwe intéressé dans politique. Et honnêtement, moi pas penser que ça a gen rien pour wè ak sexe. C'est peut-être ça moi penser que li très important que c'est yon femme qui élit. Et puis li ka montrer que li pas juste suivre instinct li.
Ça moi réellement espéré des gens qui viennent, c'est pour vote moyen ta respecter. Quel y pral valable. Et puis si tout quel y pral porter un changement. Mexique pral organiser dimanche des gens ça, plus gros élection dans l'histoire li. En plus élection présidentielle là, renouvellement parlement ak sénat, li pral élire tout 9 gouverneurs sous 32 états yo ak yon paquet élection locale. En total 99 millions électeurs enregistrés pendant l'élection yon sel toua. Gouvernement déjà annoncé déploiement 27 000 soldats ak mam garde national la pour assurer sécurité bureau vote yo dimanche. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci Gentil Augustin Junior et n'attend pour nous si qui gens électeurs pour la bulletin et pour qui est à voter très certainement pas le connaît que Mexique a parce que le président actuel là Manuel López Obrador n'est pas éligible n'est pas en élection même les partis il a gagné un candidat en élection. Nous parlons dans Miami côté nous parlons connaît ça qui a passé parmi vedettes et musique haïtien avec Jude Onsré. Stevenson, chéri Christopher, alias Stevie Boy, qui est un artiste solo qui spécialisé dans chanter musique rap, participé comme artiste invité dans le premier album groupe musical New Doré. Artiste a parlé nous de participation dans CD New Doré. Vraiment, c'est tout en fierté pour moi, pour me sous album New Doré. J'aime des îles d'ailleurs, à cause de la Joy, à cause de monsieur Sonek, m'kadi me lever nan mel son grand monde, son petit monde. Et puis m'pense que Vlad là, Vlad ka vraiment témoigné que vers ça moi écrit nan moins que 20 minutes yeah. Et que c'est énergie qui m'a mal vite comme ça, c'est pas même mon forcing même. C'est à force que ça m'a fait tellement naturel, ça m'a fait tellement sorti en dame, et nous sorti très vite, c'est pas chercher marcher sur aucun côté, c'est en dame nous sorti depuis l'aime petit. L'amour était toujours là pour monsieur Sanoé là, et l'amour a venu sortir pour venir vers Sanoé là. Son vers qui écrit à l'amour et bien à cœur et bien à talent pour me garder en dernier. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, Reginald Bastien, alias Tirigi, ancien musicien Jacout No. 1, annoncé que lui pas monté podium encore pour performer à Diaz. Lui produit musique en studio avec quelques Diaz bien précis et lui fait administration et booking dans HM Island pour Mood Music Band, équipe, Beijing à Cadillac et deux toilettes encore. Je travaille ni pour équipe, je travaille ni pour Mood. Même dans staff management Mood, au contraire pour booking, c'est moi like pour booking pour Mood, like comme qu'on fait pour Jacout tout. Ensuite, nous avons un nouveau ami qui a été là. Ça fait un petit nouveau parce que M. Fek vini, toujours avec tout, c'est même gens tout, nous avons tout. Donc, je dis pour le moment, c'est trois jazz qui nous avons. Nous travaillons avec Kenny tout, qui a un nouveau jazz tout, qui a présenté un mix pour lui tout. So, mais le principal objectif là, c'est le studio. Nous connaissons plus de monde qui a aimé régir sur stage. Ça, je connais. Je ne dis jamais. Parce que c'est bon, je ne sais pas décider. Mais, n'a pas régi dans son toujours et puis l'avenir dira le reste. Nouvelle toujours sous vedette yo dans HM Island, musicien compositeur trompettiste Eddie Brissot té de passage dans Miami week-end passé dans cadre 20 signature album musique avec livre sous compas direct li écrit. Artiste a été performé dans Pembroke Pines état Floride mais li pas satisfait de soirée. Gontiretisan c'est ça qui fait gonti sabotage même na assure m'a joué ici a chaque fois moun yo relé dans restaurant yo dit pas gen fête dans restaurant et puis tu gen fête dans restaurant bon c'est des mon petit bas haïtienri mais quand même ça me dit envie porter mon âme dit envie porter un lot de mode de pensée dans à Mounio et Mounio était vraiment réceptif dans sens ça et c'est ça fait me content en principe m'ai envie jouer toujours jusqu'à présent m'ai joué ou pas nous pas parler qu'on y a là. Merci tout le monde et bon week-end.